Bonjour à tous, je reprends la caméra pour vous filmer un petit look de fête. Alors, je vais vous expliquer tout ça en maquillant. Là, je viens de sortir de la douche. Je ne suis pas coiffée ni rien. Donc, je vais vous montrer un petit look de fête quand même sympa niveau maquillage. Mais vous allez voir que le tout est tout à fait portable dans la vie de tous les jours. Parce que nous, je commence déjà tout en parlant. Nous on fait les fêtes au calme en famille. Alors pour le réveillon, c'est vrai que généralement j'aime bien être un petit peu plus apprêtée juste pour le fun, on va dire. Mais par contre, quand je vais voir le reste de ma famille en journée, c'est généralement assez décontracté. Je mets un jean et je mets un pull qui fait un peu Noël. Quand j'ai le temps, c'est clair que j'aime bien me faire des petits maquillages parce que j'adore ça. Mais c'est pas du tout... C'est pas du tout des critères dans la famille d'être parfaitement apprêtée pour Noël. Donc ici, je vais commencer par appliquer le fond de teint Match Perfection de Rimmel. J'avais très envie de faire cette vidéo parce que j'ai clairement plus trop de temps ces moments-ci pour faire des vidéos beauté. C'est assez compliqué de filmer étant donné que je suis en train d'aménager la pièce où je filmais avant pour faire une deuxième chambre. Et donc j'ai dû enlever mes lampes et tout ça. Ce qui fait que c'est vraiment pas pratique. Je vais utiliser l'anti-cerne Shape Tape de Tarte. Et j'en mets vraiment juste un peu là en dessous. Il est vraiment très couvrant. Et ça, je vais l'estomper avec mon éponge. Je vais mettre un peu de poudre. C'est toujours clairement pas ma préférée, la infaillible de L'Oréal. Mais je l'ai entamée depuis cet été, je pense. Donc, je continue à l'utiliser. Ensuite, pour changer un petit peu, je vais utiliser ceci. C'est un petit kit de chez Tarte, le Hamptons Weekender Contour Palette. Et donc je vais utiliser ça comme bronzer, ça comme blush et ça comme illuminateur. Je ne l'ai pas encore énormément utilisé, c'est une amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Mais comme je me maquille de moins en moins, forcément j'ai moins l'occasion d'utiliser des produits. Ensuite, je vais passer aux yeux. Alors, je vais utiliser la palette Too Faced d'Isti. J'en étais vraiment pas fan, excepté ce fard qui est juste magnifique. Donc, je vais l'appliquer en premier sur toute la paupière mobile. Il a une texture un peu crémeuse, donc il fait absolument pas de chute. Et comme vous voyez, il est vraiment hyper intense au niveau de la pigmentation. Ensuite, je vais prendre cette palette de W7 et je vais prendre cette couleur-ci pour venir d'abord creuser un petit peu mon œil. Ensuite, je prends la Too Faced Chocolate Gold et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais prendre ce petit chocolat qui est encore une fois un peu pailleté. Et je viens cibler ça en coin externe.
Ensuite, je reprends ce pinceau un peu touffu avec une couleur tout à fait neutre ici, juste pour venir bien estomper tous les contours. Au niveau du bas de mon œil, en coin externe, je vais reprendre ce chocolat un peu brillant. Et alors vers le coin interne, je vais reprendre la palette W7. Et ici, on a un petit rose légèrement brillant aussi. Et je vais mettre ça ici, en coin interne. Donc, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et un tout petit peu, je vais vous montrer vraiment... Je m'arrête même pas à la moitié de l'œil en muqueuse inférieure. Et pour le moment, c'est le crayon noir Sephora que je teste. Je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Là, j'ai très envie pour avoir vraiment des beaux cils. En plus, vu que j'ai pas mis d'eyeliner, j'ai envie de mettre une base pour les cils. Donc, c'est la Dior Show Maximizer 3D. J'adore trop cette base. C'est un petit format que j'avais reçu. Et... Vous mettez ça sur vos cils, ça fait un effet un peu blanc, vous devez attendre que ça sèche. Et puis vous appliquez votre mascara par au-dessus. En attendant que ma base sèche, je vais à nouveau hors caméra faire mes sourcils avec mon crayon Anastasia Beverly Hills en teinte blonde. C'est vraiment mon crayon préféré. J'ai donc fait mes sourcils hors caméra et ensuite j'ai appliqué le mascara de choc de Yves Saint Laurent. Au niveau des lèvres, j'ai envie d'appliquer ce petit rouge lumière 639 de L'Oréal. Mais juste une petite touche pour avoir de la couleur. Et maintenant par au-dessus, je vais mettre mon gloss Fenty Beauty en teinte Fussy. Parce que c'est vraiment le truc qui brille le plus au monde. Il a une trop bonne odeur, il est hyper confortable, il brille. Et je trouve qu'on garde la fraîcheur du look et en même temps, bah le fait que ça brille, ça fait encore plus fête. Au niveau de mes bijoux, je vais mettre ces petites perles blanches que je porte absolument tous les jours. Ensuite, je mets ce petit collier de la marque Lou Yetu que j'ai reçu pour la fête des mères. En fait, on l'a fait graver avec le prénom et la date de naissance de mon fils. Et pareil, je le mets tout le temps. Et ensuite, je vais mettre cette petite bague que l'amoureux m'a offerte quand on est allé à Paris. Je l'aime trop. Et pareil, elle est un peu rose gold avec une pierre un peu rose pâle. Donc ça va parfaitement dans le look. Ensuite, pour changer un peu, j'ai sorti ces petites barrettes que j'avais achetées chez Pimkie. C'est totalement la mode des barrettes pour n'importe quel âge. Et je trouve qu'avec le look que j'ai et les petites perles aux oreilles, bah... ça complète super bien la tenue. Et voilà au niveau du look final. Alors vous avez les petites barrettes, le maquillage très frais et lumineux totalement assorti à ma tenue. Et j'ai mis un petit chemisier blanc tout frais, tout léger avec les manches un peu bouffantes. Et je vais vous montrer ma jupe tout de suite. J'ai rentré ma petite blouse dans cette longue jupe-ci. C'est une jupe avec des volants dans le bas. Elle est vraiment très longue. Moi, je l'ai remontée très haut parce que vu que j'ai déjà pas mal de ventre, ben ça coince un petit peu. J'adore le tissu. C'est vraiment un peu mousseline, comme ça, transparent avec une doublure. Et vous avez l'effet un peu pailleté, comme ça, que je trouve très sympa pour les fêtes. J'espère que cette petite vidéo imprévue vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite... de joyeuses fêtes, passez un très bon réveillon de Noël et je vous dis à très bientôt.